Bonjour, voilà, je m'appelle Daniel Fraîche, je suis un enfant du CAFI. La vidéo que vous allez voir dans ce reportage retrace un peu l'histoire de ces rapatriés français d'Indochine, ballottés d'un camp provisoire à un autre. Il résume aussi la vie simple de ces habitants, pas ordinaire, puisque c'était les premiers rapatriés français de France. Après la défaite de Bien Bien Phu en 1954, la plupart de ces rapatriés n'ont pas d'autre choix de quitter le Vietnam pour rejoindre la France. Parmi ces rapatriés, beaucoup sont des femmes veuves avec enfants. Alors, ces rapatriés étaient les derniers représentants et les ultimes vestiges de la colonie française. En 1956, la France n'avait aucun cadre juridique et institutionnel pour les accueillir. Administrés par des fonctionnaires issus de colonisation, ils subissent les règlements intérieurs très stricts. La loi Morlot, par exemple, bafouait leur dignité. En 1959, d'ailleurs, dans le camp de Bias, ces rapatriés manifestaient contre les conditions inhumaines qu'ils ont subies. L'État, au lieu de les aider, envoyait plusieurs escadrons des CRS pour mater la rébellion. Et bien sûr, ils ont expulsé du camp en les éloignant de leur famille. En 1961, les premiers textes de loi qui ont été créés pour les rapatriés d'Indochine sont exclus de ces lois et ils n'ont obtenu aucune mesure de reconnaissance, ni d'indemnisation, ni d'intégration dans les structures sociales et économiques du pays. Pour nous, la question centrale de reconnaissance du statut de rapatrié reste toujours à l'ordre du jour. Tant que cette question n'est pas résolue, eh bien, nous resterons vigilants et en même temps, nous demandons que cette reconnaissance soit réalisée. Alors, pour nous, la question des statuts des rapatriés d'Indochine restera toujours à l'ordre du jour, tant que l'État ignore toujours leur existence. Ngày nay Huế có nhiều con đường áo qua đông ba áo về thường tự áo lên bền người áo ngược đầu xanh ai quần khăn tang mùa xuân hẻo hắt. Thank you.
nhớ lời ru của mẹ, nhớ tiếng hồ ai mát trên sông dài. Cha ơi là nhớ mùi khoai nướng lườn, bếp ấm tài người thơm những ngày mưa. Hương cây bồ kết nhớ tóc ai dài, xóa xuống bờ vai gánh trắng trên cầu. Thương sao màu nắng chiều xuống quê nhà, bếp ấm chiều tà dương dân trong ta. Tiếng hò nhẹ ngân bên sông lao lách, lòng dương dâng hoài mối tình quê hương suốt đời. Quê hương còn đó lòng thương vời vợi, biết đến ngày nào trong lòng phố đường xe sang rừng, nhớ ánh lửa nghèo bên mái trăng. Cây bồ kết nhớ tóc ai dài, xóa xuống bờ vai gánh trắng trên cầu. Thương sao màu nắng chiều xuống quê nhà, bếp ấm chiều tà dương dâng trong ta. Đại dương nhớ dòng sông nhỏ, qua lũy tre xanh đã thương quê nhà. Tiếng hò nhẹ ngân bên sông lao lách, lòng dương dâng hoài mối tình quê hương suốt đời. Quê còn đó lòng thương dời dời, biết đến ngày nào bước chân quay về. Đi trong lòng phố đường xe sang rừng, nhớ ánh lửa nghèo bên mái trăng. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cánh rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm em chào tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Trăng tà mẹ ru con ngủ, à ơi à ơi, ngoan ngoan con nhuyễn miệng cười, trông chiến miền xa con ơi cha.
Après avoir visualisé ce petit vidéo, je voudrais avant tout partager avec vous le camp de Saint-Livrable. Mais surtout, je voudrais, à travers de ce vidéo, rendre hommage à nos mères, si courageuses et si dignes. Bien sûr, malgré la difficulté, la dureté de la vie et des conditions dans ce camp, elles arrivent à donner une vie meilleure à leurs enfants. C'était peut-être la seule récompense qu'elle a eue dans ce camp. Malgré la double trahison qu'elle subit, d'un côté par l'État, qui les a ignorés et abandonnés, et de l'autre côté par leur mari et leurs concubins, qu'elles aimaient et qui désiraient leur rendre une vie meilleure en France. Et subissaient cette misère, cette tristesse, cette détresse, sans demander quoi que ce soit à l'État. Malgré toutes ces difficultés, elles arrivent à élever leurs enfants dignement. Elles ont su par la suite construire un milieu asiatique qui ressemble un peu au Vietnam. Et bien sûr, elles ont su aussi préserver leur tradition. Et pourtant, handicapées par la langue et l'abandon de l'État pendant plus de 50 ans, elles arrivaient à épuiser leurs forces pour amener leurs enfants à un état de satisfaction, puisque la plupart d'entre eux sont intégrés dans la société française. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Kafi, nous voulons apporter notre témoignage historique à la société française pour que l'État français réhabilite un jour peut-être la mémoire de ces mères courageuses, trahies et oubliées. Pour qu'une place plus importante leur soit réservée. Dans le cadre du lieu de mémoire, au Kafi, bien sûr, pour que nos enfants, nos petits-enfants continueront à honorer ces grandes dames. Que l'histoire de France les a ignorés et que nous ne pouvons pas effacer cette âme qui est la seule qui reste pour nous de ce quartier. Mây đời bánh đúc có xương, mây đời giặc cướp có thương, dân nghèo à ơi. Trăng tà, mẹ ru con ngủ.